Bonjour à tous, c'est Bechtasan, bienvenue pour une nouvelle VOD. Aujourd'hui, on va se faire l'épreuve d'Hadès sur Zelos du crapaud, tout simplement. Donc vous allez voir, pas tout le monde compliqué, mais il faut savoir qui mettre. Et des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, nous on est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour suivre les prochaines VOD, mettre le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, on est parti pour l'épreuve d'Hadès Zelos du crapaud. Donc à partir de là, c'est pas compliqué. Vous faites pratique, vous faites temps des mémoires, vous allez dans Royaume spatio-temporel et épreuve de Hadès. Ok, on est parti. Donc premier combat, hop, Icky du lion. Hop là. Donc là, ça va pas être trop compliqué. On a pas mal de terre. On va se mettre un petit Algol, on va se mettre un petit Shura. On va tourner comme... on va essayer comme ça, hop. Shura a fini le taf tout seul, voilà, cool, nickel. Donc ça c'était pour le premier combat. On enchaîne sur le suivant. Après, le suivant, c'est Milo du Scorpion. Milo, on va le procéder oh, très très compliqué, on va faire ça, on va mettre Sirius devant et derrière, on va se mettre, on va peut-être inverser les deux, quoique non. Il y aura beaucoup de heal, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire comme ça. Pas de toute façon, vous testez différentes combinaisons, mais non, ça va passer. C'est quand vous cherchez à le faire tout seul, hein. De toute façon c'est coché, j'essaie une première combinaison, si elle passe direct tant mieux, si elle passe pas, là j'en essaie une autre, hein, tout simplement. Ça fait qu'il saute. J'ai un thermos qui a tellement été bien étudié que quand il y a trop de pression, le bouchon saute. Voilà, c'est des génies qu'on crée ce thermos là. La preuve. Ok, nickel. Donc voilà, parfait pour lui, vous récupérez votre petit coffre, et on enchaîne sur Shura. La combinaison n'était pas bonne. On va virer lui, et on va se mettre de la Vierge. Et on n'a pas de feu, donc on va rester comme ça. Pas photo, il n'y a pas photo. Ok, hop, ça c'est bon. Hop, combat suivant, Shiryu. Alors, on a du saga, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se mettre Astérion. Tac, tac, le heal. Et pour terminer devant votre 6000 choix. Et bon, on va tourner en full terre avec lumière et ténèbres. Je pense que ça devrait le faire. On a du heal. On a un petit tank quand même. On va très bien le faire. Il reste que Dragon des Mers. Non. Dragon des Mers. Je suis pas sûr. Soit Dragon des Mers c'était bien en face. Et là, ou l'autre façon. Fais attention, c'était assez vite. Ok. Avant-dernier combat. Et il y a du Sagittaire. Comme ça, on va voir ce que ça donne. On va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Pas mal engagé. Quoique ça va le faire, hein. Ça l'a fait. Tout compte fait, ça l'a fait. Ok, donc voilà, et le dernier combat, Yoga. Ok, bon, est-ce que si c'est passé? Donc voilà, il vous reste plus qu'à récupérer votre petit coffre.
Bon, petite astuce quand même, parce que les combats, je les teste plusieurs fois au cas où ça passerait pas. Et sur yoga, l'équipe que je vous ai proposée la dernière fois ne passe plus pour ma part. Donc voilà, je vous propose une deuxième team qui passe. Alors pas toujours du premier coup, aussi. De toute façon, il faut que Dante de Cerber il parte en spé pour pouvoir, j'allais dire en général, pour qu'on puisse gagner. Et c'est assez space parce qu'il y a des trucs qui ne passent pas du tout. Bon, là, de toute façon, on a séparé celle de la défaite, hein. À quoi que, on a eu de la chance, ouais. Mais celle-là, elle passe déjà un peu plus facilement que l'autre qui a pas voulu repasser une seule fois, donc voilà. C'est pour ça que je vous propose cette deuxième team-là pour yoga. Au cas où que la première ne passe pas, que vous ne restez pas sur votre faim. Voilà. Et c'est dans la poche. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle VOD. Bah, de toute façon, normalement, mardi, vidéo invocation sur Dokkan Battle. Uberbou et l'air arrive, donc on ira claquer quelques DS dessus, donc il y aura une petite vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, je vous dis à mardi, ciao tout le monde!